Bonjour et bienvenue dans Une minute pour comprendre. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Dans cette vidéo, nous allons évoquer la clause de faculté de substitution. De quoi s'agit-il? Lorsque vous achetez des biens immobiliers, vous pouvez acheter soit en nom propre, soit via une société. Lorsque vous achetez un bien immobilier en nom propre, vous avez la possibilité de faire inclure dans la promesse ou le compromis de vente une clause dite de faculté de substitution. Cette clause vous permettra, si vous avez prévu au final d'acheter en société, d'avoir signé le premier acte en nom propre, de créer votre société, d'obtenir votre crédit et finalement d'acheter via votre société. Elle est extrêmement importante puisque si vous ne l'avez pas prévu, vous serez contraint, sauf avenant et accord de votre vendeur, de re-signer une nouvelle promesse ou un nouveau compromis. Donc pensez bien à demander à votre notaire d'inclure systématiquement dans les actes une clause de faculté de substitution.